Je veux pas aller à l'école. Voilà, on va vous lire Je veux pas aller à l'école de Stéphanie Black, qu'on adore aussi. Il était une fois un lapin coquin que vous connaissez bien. Et lorsque sa maman lui dit « Demain, c'est ton premier jour d'école, mon chéri », il répondit « Ça va pas, non !» Lorsque son papa lui dit « Mais mon petit lapin, tu vas apprendre l'alphabet », il répondit « Ça va pas, non !» Et ce soir-là, Simon n'arrivait pas à s'endormir. J'ai peur. Clic, 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 clic. Maman! Je veux pas aller à l'école. Lorsque sa maman lui dit, tu es le plus courageux de tous les petits lapins. Tu es mon super lapin. Il répondit, ça va pas, non. Le lendemain matin, lorsque sa maman lui dit, dépêche-toi, mon petit lapin, il faut bientôt partir pour l'école. Il répondit, ça va pas, non. En chemin, lorsque son papa lui dit, tu vas te faire des amis, tu vas apprendre plein de nouvelles choses, tu es mon grand lapin. Il répondit, ça va pas, non. Devant l'école, lorsque son papa l'embrassa et lui dit, à tout à l'heure mon chéri, je te laisse ici. D'une toute petite voix, il répondit, ça va pas, non. À l'école, il se passa mille choses. Tout d'abord, il pleura, puis dessina. À la récré, il joua. À la cantine, il mangea, miam, de la mousse au chocolat. Ensuite, chut, il se reposa. Et l'après-midi, il fait de la musique. Oui, il tambourina. Et à 4h30, lorsque sa maman arrive et lui dit « On rentre à la maison, mon chéri ?» Simon répondit « Ça va pas, non !» Et voilà, il était trop bien à l'école.